Salam alaikum. أنا جد مسرور أن أفتتح هذه الجلسة الأولى من هذه الندوة المخصصة للمسرح في شقيه المغاربي والشرقي. Pourquoi j'ai commencé, comme il se doit, dans la langue de Sibawé? Parce que la langue de Molière est formidablement belle, enchanteresse, performative, elle est tout en acte théâtral, tout en acte dramaturgique. Donc, les quatre personnes, il y en a une qui va arriver bientôt, qui vont intervenir pendant cette première séance, sont les suivants dans l'ordre. Madame ou mademoiselle, et à sa main. Ah, je suis en retard parce que, vu que c'est au Canada que ça se passe, c'est loin de chez moi, si tant est que j'en ai un. Partout, je suis le même. Yassamane Khajei, de l'université de Grenoble. Clermont. Voilà, je suis toujours un petit peu en décalage horaire, mais enfin, je vais essayer de faire au mieux, humour aidant. Notre cher collègue Donato Lacirignola, d'accord, d'Italie, et Daniela Potenza d'Italie, voilà le premier de France, et la personne qui nous rejoindra, c'est Leila Saad Louange. Je donne donc la parole à la première intervenante, Yassamane Khajei, qui nous vient donc de l'université de Clermont. Elle est auteure, metteuse, alors donc pas metteur, en scène. Ah, si, on peut. Non, on rajoute un E à la fin, ça marche. Ah, donc, metteur double. Metteur en scène, maître de conférence en études théâtrales et chercheur rattaché au Centre d'Histoire, Espace et Culture. Vous allez nous parler de l'histoire du Liban au goût du vrai taboulé vert, entre parenthèses. Avant de commencer votre intervention, si vous avez quelques éléments à ajouter à votre biographie, ça nous ferait énormément plaisir. La parole est à vous. Merci beaucoup. Voilà. Pardon. Alors, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, merci à Omar pour l'invitation. Je suis très, très contente d'être ici parmi vous. Effectivement, jusque-là, j'ai pas eu l'occasion de participer au colloque de la scène arabe puisque je travaillais beaucoup sur l'Iran. Et maintenant que je travaille sur le Liban, on ouvre le colloque au Moyen-Orient. Bon, en tout cas, c'est très bien, je suis contente. Mais voilà, là aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de l'Iran, mais plutôt de Liban, d'une artiste libanaise. Mais vous allez voir, j'ai construit en fait ma communication sur deux, trois niveaux différents. Premièrement, je précise le fait que cette communication est issue d'un travail collectif avec les étudiants de deuxième année d'art du spectacle de l'Université Clermont-Auvergne, un groupe de TD, puisque je délivre un cours magistral intitulé Scène du monde, qui me laisse la chance d'aborder les formes non occidentales, puisque mon enseignement en études théâtrales est davantage focalisé sur l'Occident. Mais ce cours, Scène du monde, qu'on a créé dans la nouvelle maquette, nous permet d'aborder des horizons divers et variés, y compris le Moyen-Orient. Et donc, c'est dans ce cadre qu'un groupe d'étudiants, le TD1, se sont focalisés sur le théâtre au Liban.
Donc, il s'agissait de plusieurs groupes d'étudiants qui ont travaillé sur l'histoire du Liban. On a travaillé également sur les créations de Hanan Rajali. Et là, deux groupes ont travaillé sur Jessie Khalil, une actrice, une comédienne. Puis, je vais vous expliquer une metteur en scène, ou metteuse en scène, qui réside à Clermont-Ferrand, en Auvergne, c'est-à-dire dans la ville où notre université est située. Donc, pourquoi j'ai dit en plusieurs niveaux? Puisque, bon, déjà, je vais vous présenter le travail de Jessie Khalil, mais je vais aussi me baser sur le regard et la réception des étudiants de deuxième année, c'est-à-dire ils ont entre 19 et 20 ans essentiellement, qui découvrent pour la première fois le monde extérieur d'Auvergne. Et là, je ne parle même pas de la France. J'essaie de contextualiser, ce sont des étudiants qui majoritairement n'ont jamais été à Paris, par exemple, ou ils ne sortent pas forcément de leur région. Hein, la situation d'Auvergne est quand même assez particulière par rapport à sa situation géographique, et au fait que il n'y a pas vraiment de transport comme on peut l'imaginer à Paris, c'est-à-dire pour venir à Bordeaux par exemple, il n'y a pas de train, il faut monter à Paris pour venir ensuite à Bordeaux, même pour aller à Lyon, alors qu'en voiture c'est 1h30, en train il faut faire un voyage de 2h30. Donc c'est une ville, c'est une région assez enclavée qui est déjà pas en contact fort, on peut dire, avec le reste de la France, et donc l'étranger, Moyen-Orient, ça fait loin. Donc ça, de ce point de vue, sans vraiment tomber dans les clichés, c'est assez intéressant de voir le regard justement des jeunes français et françaises sur le travail d'une comédienne qui vient s'installer en Auvergne, et je vais vous expliquer voilà pourquoi et comment Jessie Khalil se trouve à Clermont-Ferrand. Et puis sur un autre niveau, je vais vous parler de son spectacle, de l'histoire de Liban, etc. Donc j'essaye d'être assez bref pour tout mettre en 20 minutes de communication et voilà, d'intervention. Donc le PowerPoint est issu de ce travail collectif avec les étudiants. J'ai essayé aussi de respecter leur charte graphique en rajoutant quelques éléments, mais ça va vous donner aussi une idée de la manière dont mes étudiants ont travaillé sur Jessie Khalil. Alors, Jessie Khalil est née en 1980 au Liban. Elle est issue d'une famille commerçante qui n'avait pas forcément une carrière dans le milieu artistique et culturel. Donc elle s'intéresse beaucoup au théâtre. Et il y a quelques années, autour de 2010, elle rencontre son mari, son époux au Liban. Effectivement, il s'agissait d'un Français, professeur de primaire dans l'une des écoles françaises de Beyrouth. Donc tout va bien, elle continue à faire ses activités de théâtre. En effet, en 2016, suite à une décision familiale, ou je ne sais pas, peut-être j'ai des doutes sur la fin de mandat, en tout cas ils reviennent en France, et puisque son mari de l'époque était auvergnat, il s'installe en Auvergne, et puis pendant un an il faisait les allers-retours à Paris, parce qu'effectivement avoir un poste à Clermont, c'est assez compliqué. D'abord, bon, là, il fallait passer par Paris, et il y a la naissance de leur fille Rama déjà au Liban. Sauf qu'après son arrivée en France, il décide de se séparer. Surtout, la décision vient de la part de son mari. Parce que justement, d'après les interviews qu'on a fait avec Jessie, que les étudiants ont menées, puisqu'elle ne faisait pas un vrai métier, qu'il fallait vraiment travailler, alors que tant qu'ils étaient au Liban, le métier de comédienne, ça ne posait pas de problème. Or, en France, effectivement, on connaît aussi les conditions économiques. Là, ça devient compliqué, d'autant plus que, bon, pour pouvoir s'intégrer dans le paysage artistique et culturel occidental, on sait à quel point tout devient difficile et compliqué, et cet élément devient central. En tout cas,
pour la vie de Jesse Khalil et dans la manière dont nos étudiants ont réceptionné ces problématiques. Tout ça mène Jesse à la création de sa pièce qui s'appelle « Le vrai taboulet vert ». Et il faut vraiment insister sur la couleur verte. Voilà, je vais vous donner quelques informations sur le parcours de Jesse Khalil pour voir qu'effectivement, il s'agit d'une artiste qui était très engagée dans le paysage artistique et culturel du Liban. Elle a joué dans plusieurs pièces et puis elle a développé ses capacités de comédien, de metteuse en scène et surtout de l'enseignante du théâtre. Voilà, donc ce qui ont marqué surtout les étudiants, pour eux, c'était cette histoire de mariage et de divorce, pour eux, c'était central. Ils ont même posé la question en disant pourquoi, le métier de metteuse en scène, ça ne posait pas de problème au Liban, mais en France. Et en fait, j'ai expliqué aussi les conditions financières de la vie d'un expat au Liban. En plus, avec la crise économique de 2019, on peut imaginer que le salaire français devient très intéressant. Et en fait, elle n'avait même pas vraiment besoin de travailler pour parvenir à ses besoins. Alors qu'en France, on revient sur le salaire d'un stit et effectivement tenir une vie de famille. Et elle qui souhaitait continuer ses activités artistiques. Voilà ce qui a été aussi marqué par mes étudiants, puisque Jesse Khalil a accordé vraiment une rencontre de plusieurs heures chez elle. Donc les étudiants ont pu photographier aussi son village. Donc c'est un petit village à peu près à 40 minutes de Clermont. Et après je vais vous parler des problématiques qu'elle a rencontrées sur le plan notamment administratif, qui a attiré aussi l'attention de nos étudiants. Donc pour Jesse Khalil, la création de son spectacle était comme une forme de thérapie, hein. C'est ce qu'elle souligne, puisque ce spectacle lui a permis de s'intégrer dans le milieu artistique et culturel français malgré un ensemble de problèmes administratifs. Donc pour elle, c'était une forme de créer ses liens avec son propre pays, puisque d'après ce qu'elle raconte, et d'après, je pense qu'on a ce genre d'expérience commune, de dire qu'elle a vécu en fait les événements de 2019, c'est-à-dire la Saoura, la révolution libanaise, puis l'explosion du port en 2020, puis la crise sanitaire, etc., à distance. Et je pense qu'on est d'accord pour imaginer l'impact de vivre ce genre d'événement intense à distance, alors qu'on n'est pas entouré de ses proches. Et j'insiste sur le fait que, étant dans un petit village en Auvergne, elle n'avait pas accès à la communauté libanaise ou ses amis, ou en tout cas, voilà, c'est un agencement différent par rapport à ceux qui vivent dans les grandes villes. Là, moi, je parle de l'exemple français à Paris, que ce soit les artistes iraniennes, iraniens, libanaises ou libanais. Et donc, elle crée ce spectacle comme une forme de thérapie personnelle pour aussi s'enraciner à la fois dans sa vie personnelle, mais aussi dans sa vie professionnelle. Je vous présente un extrait d'interview que les étudiants ont accéléré en Jesse Khalil. Dans sa vraie vie, il ne part pas avec cette vitesse. Donc, c'est une vitesse 1,5 pour que ça puisse être résumé. Dans ce trou, hein. Le contexte. Assister demain à la révolution au Liban en 2019.
Et le fait de ne pas être au cœur de cette révolution là-bas, j'étais là, j'étais pas là-bas. Je l'ai joué dans un jardin. Et c'était chez quelqu'un qui est technicien, qui ouvre son jardin pour tout le monde. C'est à Adria, un peu au sud de l'histoire. Et c'est quelqu'un qui est dans le théâtre et qui a une grange et un jardin. Et il fait des choses chez lui comme ça. Et il m'a contacté pour jouer là-bas après qu'il a vu que j'étais annulée au compte. Donc j'ai passé là. En fait, j'ai fait le chemin inverse, moi. Normalement, quelqu'un crée une structure, ici, ce qui est une association, une nationale, compagnie, et demande des subventions. Et il y a la ville, le département, la région, vous savez ça, vous êtes dans le métier. Et puis, il crée un salaire. Au moins, administrativement, c'était trop pour moi. J'entendais dire, mais. N'imaginez pas quelqu'un qui vous essaye d'expliquer, oui, c'est une compagnie, c'est une association des nations. En fait, il faut faire une assemblée générale, il faudra le RMA, et c'est un chemin, mais c'était des chinois pour moi. Je m'en fous, en fait, moi je crée et je vais les vivre. Parce que c'était l'évidence, ce spectacle. Elle m'a dit, bah, on achète le spectacle, il est un exemple de ce que tu veux. J'ai fait la tête, j'ai fait mon spectacle, j'ai fait un spectacle, on m'a acheté. Et là, j'avais besoin d'un numéro de tirette, en fait. Tu te sens obligée de créer une compagnie. Et donc j'ai fait les démarches de créer une compagnie. Maintenant j'étais obligée, donc c'était pas aussi douloureux parce que j'étais achetée, parce que je savais que j'avais une date. Alors j'ai entamé les étapes. Et j'ai créé à Rennes la compagnie qui produit ce spectacle. Une compagnie qui mène des ateliers en plusieurs langues aussi. Parce que je suis bilingue, donc je peux donner des ateliers en arabe, en anglais, en français. Je peux faire des échanges avec le Moyen-Orient, etc. Donc, c'est pour défendre quelque chose. C'est Arabe qui me paye. Mais c'est moi, honnêtement, si j'aurais pu donner mon nom pour qu'on me paye, j'aurais pas payé Arabe. Donc voilà, déjà, vous pouvez découvrir une partie de ces problématiques sur la question administrative qui est aussi influence sa vie personnelle. C'est-à-dire, déjà, le fait, le problème administratif entre deux pays, c'est-à-dire, elle n'a pas pu donner sa nationalité libanaise à sa fille, comme dans plusieurs pays au Moyen-Orient, enfin, il y a l'exemple de l'Iran, la nationalité est accordée par le père. Et de ce côté-là, en France, sur la question de divorce, elle a découvert la notion de la garde partagée. Au départ, elle ne comprenait pas. Donc, elle disait, pendant une semaine, elle a sa fille, donc elle passe le temps avec sa fille, elle ne peut pas travailler, elle ne peut pas créer. Et bien, la semaine où elle n'a pas sa fille, elle est en plein... crise de mélancolique ou de dépression, ou en tout cas de ce vide. Et à nouveau, elle retrouve sa fille. Donc, pour elle, c'était un concept qui était qui était au départ très très compliqué à gérer, donc ça demandait un temps d'adaptation, puis la création de compagnie qui porte, le nom de la compagnie porte les mêmes lettres de prénom que sa fille, mais en effet c'est une création, comme vous l'entendez, par défaut, juste pour pouvoir travailler, et elle ne trouvait pas forcément le sens, d'autant plus que elle préfère de ne pas toucher les subventions pour, elle insiste sur cette notion de liberté, de garder la liberté de création. Par ailleurs, elle a mis du temps à avoir, ce qui est normal, avoir le statut d'intermittent, ce qui est une très très bonne nouvelle pour elle. Mais au moment où elle a demandé sa nationalité française, demande de naturalisation, cela a été refusé puisque ce n'était pas considéré comme un vrai métier à nouveau. Donc vous voyez, même si elle s'est intégrée dans le paysage administratif français, de l'autre côté, bah, c'était pas encore assez. Donc voilà, elle s'est lancée dans une démarche administrative pour écrire au tribunal de Nantes, etc., pour obtenir la nationalité française. Alors, je viens un peu sur son spectacle, Le vrai taboulé vert. En effet, quand elle a découvert le taboulé, la notion de taboulé en France, elle était très très déçue, puisqu'elle disait, mais en fait, ça ne ressemble absolument pas au vrai taboulé vert qu'on mange au Liban. Et ça, c'était aussi l'un des points de départ de la création de ce spectacle. Elle insiste sur le mot vert, à la fois pour dire que le vrai taboulé, c'est plutôt vert,
ça ne ressemble pas à ce qu'on vend dans les supermarchés ou on fait à la maison en France. Et en même temps, c'est une couleur qui, pour elle, représente l'espoir, qui représente le Liban, la couleur verte des cèdres, etc. Et elle a aussi insisté sur le taboulé, déjà par rapport au sens étymologique du mot, ce mélange qui est à la fois le mélange de sa vie personnelle et l'histoire du Liban, mais qui représente aussi la situation particulière libanaise avec les religions diverses et variées, avec plusieurs conflits, la condition et la situation géographique, les conflits, etc. Et elle a aussi choisi ce plat puisque c'est le plat familial qu'il préparait notamment le dimanche. Et dimanche, c'était le seul jour où pendant la guerre civile, y avait une espèce de paix très éphémère et que dimanche, les gens pouvaient manger en paix. Donc pour elle, c'est aussi, ça représente la paix, le rassemblement familial de tout ce qui est... agréable, confortable et qui lui permet de respirer. Elle parle de ce boule d'oxygène de ce spectacle. En effet, c'est un spectacle où elle le joue seule, elle cuisine, elle tient au fait que à la fin du spectacle, il y a un moment de convivialité où tout le monde mange. Elle avait du mal à céder en fait la préparation de taboulé aux autres. Maintenant, elle accepte que certaines personnes coupent le persil parce qu'elle voulait vraiment que le taboulé respecte sa recette familiale et le taboulé libanais. En effet, le spectacle est une scène de cuisine, de préparation, à travers laquelle elle raconte à la fois son histoire, son arrivée en France, son enfance. Elle aborde le choix de prénom de sa maman, qui s'appelle Jeanne d'Arc, hein, Jeanne d'Arc en prénom, et qui est assez étonnant pour les Français. Et ensuite, elle raconte l'histoire du Liban. Elle raconte, elle narre la société libanaise dans sa dimension complexe que vous connaissez. Et en effet, pour le public auvergnien, et j'insiste parce qu'elle tourne beaucoup en Auvergne, c'est vraiment la découverte d'un autre monde. Et ça, c'est très étonnant. Parfois, je me demandais, vous n'avez pas la télé, vous n'étiez pas au courant, mais en fait, on voit que son spectacle est une ouverture. Et à la fin du spectacle, quand elle distribue le taboulé, le za'atar, on voit qu'il y a une découverte culinaire qui peut être très, très lambda, très normale, par exemple dans la région parisienne, mais qui à Clermont reste vraiment très, très exotique. Donc il y a ce mélange d'exotisme, de réalité sociopolitique, avec ce mélange de réalité culinaire, traditionnelle du Moyen-Orient qui crée vraiment un univers distingué à part. Et effectivement, voilà, le spectacle pour elle, ça représentait une forme de thérapie et qui lui a permis à la fois de s'intégrer en France, de devenir intermittente du spectacle et de dire « Ok, si dans mon propre pays, effectivement, j'étais seulement comédienne, que je tiens beaucoup à ce métier, ici, je dois mettre aussi en scène mon propre spectacle. » Et cet élément est assez intéressant parce qu'on le voit comme un élément commun dans la création de Diaspora. On peut le discuter tout au long du colloque, mais moi, j'ai constaté aussi chez les comédiennes et comédiens iraniens qui, une fois à l'étranger, il devient effectivement... Pardon, je suis en même temps en train de permettre à un collègue de voir l'intervention. Voilà, c'est ce point commun qu'on devient aussi créateur, créatrice de son propre spectacle, alors que dans le pays d'origine, on était plutôt dans la création de spectacles. Je vous laisse regarder le teaser du spectacle pour découvrir son univers. Qu'est-ce qu'on remarque ? Vrai taboulé vert est un spectacle culinaire politique avec une pincée intime épicée. Et je dis à mon interlocutrice, moi je tiens à une conversation par langue, hein, je cite la chronique.
ce n'est pas suffisant. Pour être française, madame, il faut une autre preuve d'intégration. Le culinaire n'est qu'un prétexte pour parler politique. Prenons une petite notion historique sur ce pays. Alors, j'ai noté quelques éléments, quelques dates clés qui marquent l'histoire de ce pays. À la fin du spectacle, vous appelez les rapides. Ce qu'il faut faire un peu de nouveau, changer la constitution même. Après mon arrivée, confronté au juge qui explique le système. Madame, vous avez le droit de voir votre fille, les pour rien. On est d'accord. Madame, vous avez le droit de voir votre fille les semaines paires, les semaines impaires, elle est avec son père. Pourquoi moi? Moi, libanaise, je ne peux pas passer ma nationalité à mes enfants. Pourquoi la femme? La femme libanaise, la femme la plus libre au Moyen-Orient, pourquoi je ne peux pas passer ma nationalité à mes enfants, moi? Le mélange que je prépare devant le public fait écho au mélange chaotique que subissait et subit le Liban depuis des années, et aussi mon chaos intérieur. Voilà, et ça c'était photo avec les étudiants, puis les conseils qu'elle a proposés, qu'elle a apportés à nos étudiants. Voilà, ne rien lâcher, croire en soi, pouvoir prouver que c'est un réel métier et continuer à se battre pour atteindre ses rêves. Merci. Bravo. Merci, chers collègues, pour cette présentation de l'autrice Jessie, et en insistant absolument sur cette dualité qui parcourt son existence, en commençant par la dualité culinaire, les dualités personnelles. J'ai retenu, en apercevant un petit peu quelques images, que c'est une mise en scène de soi, ou plutôt une mise en scène de son chaos intérieur, ce qu'elle en a montré.